Le ministre de la Santé, Dr. Ahmed Roble Abdillah, la chargée du bureau du FNUAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim, ont lancé ensemble la campagne nationale de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein hier dans la salle de conférence du ministère de la Santé. La cérémonie de la campagne, donc de lancement de la campagne, a mobilisé les cadres du ministère, l'équipe du FNUAP, de nombreux acteurs de la société civile, notant que durant cette campagne de sensibilisation, le département de la santé va déployer des activités dans des journées d'information dans les différentes communes de la commune de Djibouti, de la ville de Djibouti, ou encore la mise en place d'une stratégie de dépistage massivement. À cet effet, toutes ces activités de prévention concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers génitaux féminins. Pour rappel, cette campagne est initiée par le Centre national de référence en santé de reproduction Husseina, et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Après une brève présentation du directeur par intérim du centre Husseina, Dr Moussa Abdoulaye Hadi, sur l'évolution du cancer du sein en République de Djibouti, la représentante du FNUAP, Aïcha Ibrahim, a assuré le soutien constant de son organisation pour appuyer cette campagne nationale de dépistage du cancer du sein initiée par le département de la santé. À son tour, le ministre de la Santé a soulevé la nécessité d'une réflexion national autour de la prévention du cancer du sein et a mis l'accent sur la prévention du dépistage précoce et régulier de cette maladie. Pour accentuer cette sensibilisation, la journée a été clôturée par une activité de dépistage au niveau du centre Husseina. Ainsi, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, accompagné des cadres du ministère de la Santé ainsi que de tous les participants de la cérémonie, s'est rendu donc avec des bus au centre Husseina pour effectuer le dépistage du cancer du sein. Par ailleurs, le centre s'est doté récemment d'un service de mammographie avec un appareil d'examen des seins beaucoup plus développé, dont l'objectif est de réduire la mortalité liée au cancer du sein et d'améliorer l'information et la qualité des soins. October bishan oo inta badan la xuso kansarka dumarka ku dhaca inta badan kansarkaaso aad u badan kansarka dumarka naasaha kaga dhaca iyo kansarka minka ku dhaca ama ilma galeenka ku dhaca afkiisa hore ee col de l'utérus la yiraahdo waa labada kansar ee aad ugu badan afartan jir wixii ka dambeeya صدح دي سندود بمر واني حسين تكتو ماموغرافي جيبا ويالا ماشين باهل كاتالا ايس اكتو صدح دي سندود بمر اون ما ها سقال غور وامر مر اني تكتو اسا سو اكتو لأيغو مقران اسا انو وحي وحالو بهاي وحي هوين يبا اني اس اغان inay naaska eegan wixii ay ka dareemaan wax buuranba eenan caadi aynan haynin u baran waxaan doonaynaa annakana inaad na caawidiin xanuun inta badan faafa weeyaan waxaan mar dhaweyd aan iska kaashanay annaka iyo FNUAP-ka inaan gaadhi dhex marino magaalada oo dhan oon idhaahno qof kastiba haystaysteeyo aanu isku daweyn lahayn annaku waxaan xoojinay dadkii waxa ka shaqeynayay iyan xoojinay waxaan isnaa imka markii hore ma jirin imka waxaan isnaa doktora ka shaqeynaya kansarka way jiraan oo ku takhasusay kansarka ayaa jira waxaan isnaa doktoro ku takhasusay oo specialist ku ah anatomy pathology sidii loo eegayo oo loo kala saarayo waxaan inuu kansar yahay iyo in kale oo laboratoirka oo medsaayo specialist ku ah waa xanuun si fudud looga magaranaysaa ha looga badbaadi karo hadda baraarujista hadda waxay ka bilaabmaysaa innaki horta ka bilaabmaysaa bulshada reer Djibouti waxaad u tihiin hormuud baad u tihiin.